ferait mieux de la suivre. Voilà ce qu'on gagne, à être honnête. La claque. Heureusement que j'ai pris des calmants. Évidemment, ils sont restés dans le 4x4. Pour le tout. Moins vite! Moins vite! Bah. Oh. Bon, au moins il me reste ma dignité. Elle est vraiment dans la merde, là. Faut que je la rejoigne.
Il paraît que le C4 se marie très bien blindé. De l'aile. Thank you.
y est, plus personne. Accroche-toi, j'arrive. Merde. Tu veux un coup de main ? Même pas un merci. Attends, tu m'as carrément menti. J'ai pas menti. J'ai juste préféré ne pas te parler de Sam. Incroyable. Écoute, Asav va prendre de l'avance. Il faut pas qu'on traîne. Oh merde. Écoute. Allez, crache le morceau. Ok. On joue carte sur table. J'ai besoin de ton aide. Il fallait y penser avant. Et toi, de moi, si tu veux la défense. Ok, j'aurais pas dû. D'accord ? C'est ça, tes excuses. Si ça t'aide à te calmer, on va dire que oui. Écoute, là, on a toutes les deux quelque chose à perdre. Tu comprends ? Que ce soit bien clair. Ma priorité, c'est la défense. Pas Sam Drake. Et encore moins toi. Je comprends. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis sûre qu'on ne nous suivra pas. Très bonne idée. C'était quoi ? Montre-moi ce que t'as entendu. Incroyable. Oh, ça alors. Les rois ont fait entrer leur peuple dans ces tunnels. Quoi ? On n'a pas trouvé l'entrée. Mais la porte de sortie. Ok. On dirait un puits à degrés. Tu t'en fous. Chut ! T'as entendu ? Maintenant, oui. C'est proche.
Tout doux, ma fille, tout doux. Pas qu'elle soit blessée. Ça a dû s'effondrer à cause de l'explosion. Doucement. Chut, 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 tout va bien. Désolée. On va te sortir de là. Attends, pars pas si vite. Il faut qu'on sorte. Reste calme. Tu me parles à moi ou à l'éléphant? Les deux. Tout doux, tranquille. Bon, ok. Il nous emmène où? Où il veut. Tiens. T'en veux? Encore ? Bon appétit. Écoute, je suis pas très douée dans ma relation avec les gens. T'es qu'une conne égoïste. Ouais. T'as raison. Je suis qu'une conne égoïste. Ouais. Ça fait du bien de l'entendre. Alors, t'as entendu ça, papa? J'ai finalement hérité d'un peu de toi. Il est arrivé quoi à ton père? Il était du genre à jamais rien lâcher. Le ministère de la Culture lui a proposé de financer une autre de ses expéditions. Parce que cette fois, il était sur un gros coup, comme il disait. Il était toujours sur un gros coup. Mais... des bandits ont attaqué son campement, et... ils ont retrouvé son corps des semaines plus tard. Et cet objet stupide, c'est ce qui me reste de lui. Je suis désolée. Oh, ça va. Il a fait ses propres choix. Alors... écoute, Fraser... t'as pas... Oh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je crois qu'il charge ! Dis-lui d'arrêter ! Comme si je parlais à éléphant ! Pourquoi elle était si pressée? Et à propos de Sam... ça va, j'ai compris, ok? J'ai mes merdes à régler, moi aussi. Alors je te propose de mettre ça de côté.
Ok. Ça marche. Allez. Au moins, on aura accompli une bonne chose aujourd'hui. On aura réuni une famille. Garde tes distances. Il y a un petit avec eux. Je sais. Dommage d'avoir fait tout ce chemin pour mourir maintenant. Attends, je vais la prendre celle-là. Ah, ok, merci. Pousse-toi un peu. Nickel. Maintenant, tends ta main un peu par là. Quoi ? C'est le moyen le plus sûr de caresser un éléphant. Merci beaucoup. Ça fait peut-être longtemps, mais dans mes souvenirs, les éléphants étaient plus grands. T'as sûrement l'habitude de voir des éléphants à plus. Là, ce sont des éléphants d'Asie. C'est quoi la différence ? Plus petits. Plus petites oreilles. Avec, comme, les doubles bosses sur le crâne. Mais ils ont une chose en commun. C'est quoi ? Ils te piétineront si tu t'approches de leurs petits. Compris. Sympa, Asaf, de nous avoir laissé des provisions. Fais le plein si besoin. Ça marche. Là-haut. Ugh!
Regarde, en haut des escaliers. Je vois de la lumière à travers l'eau. Ugh.